Aujourd'hui, on va reparler serpents. On en a parlé un petit peu hier, puisqu'il y avait les femmes, vous savez, les déesses vengeresses là, avec les serpents un petit peu partout. Mais là, on va revenir à notre fidèle ami des serpents, Cadmus. Alors, Cadmus, on se souvient, c'est lui le fondateur de Thèbes. Il est un petit peu vieux maintenant et il repense à sa vie et il se dit qu'elle n'a pas été très heureuse parce il a eu un certain nombre de sa famille qui a été à moitié tuée ou en tout cas qui est morte. On récapitule. Il y a eu Actéon qui s'est retrouvé transformé en cerf par Diane et qui a été tué. On a eu Penthé qui, ne croyant pas à Bacchus, Bacchus s'est vengé de lui et il s'est fait tuer par par sa mère et ses propres tantes. Donc ça, c'est deux des petits-fils de Cadmus qui sont morts comme ça, un petit peu bêtement. Mais vous avez aussi sa fille, Sémélé, qui est morte en donnant naissance à Bacchus, en réalité en ayant une relation sexuelle avec Jupiter sous sa vraie forme. Jupiter l'a tuée sans le vouloir. Et bon, sa fille est morte. Ino, qu'on a vu hier, est morte, tuée par son propre mari. Enfin, elle n'a pas vraiment été tuée, elle a été divinisée, mais ça, Cadmus n'est pas au courant. Donc pour lui, il récapitule et il se dit, mais franchement, je suis maudit, j'ai été complètement maudit. Est-ce que c'est parce que le moment où j'ai tué ce serpent, je me rappelle que j'ai entendu une voix quand j'ai tué ce serpent géant là, qui me disait, puisque tu as tué un serpent, tu vas toi-même te transformer en serpent ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est ça qui m'est arrivé? Et en disant ça, il réfléchit, puis petit à petit, effectivement, il est en train de se transformer. Il y a ses bras qui commencent à se fondre dans son corps, il y a ses jambes qui commencent à se fusionner entre elles, et petit à petit, il a des écailles qui lui poussent, il est en train de se transformer en serpent. Et là, il voit Harmonie, sa femme, qui est la fille de Vénus et de Mars, qui arrive et qui dit, mais mon amour, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est rien, je crois que j'ai été maudit, je veux te dire que je... Et il se transforme en serpent, il ne peut plus parler. Alors elle se jette sur lui, elle dit, non, mon amour, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Elle le caresse, elle le caresse, elle le caresse, et en faisant ça, petit à petit, elle aussi, elle se transforme en serpent. Et ils finissent comme ça, tous les deux en serpent, enlacés l'un contre l'autre. Et voilà comment Cadmus et Harmonie finissent par se transformer et par perdre leur existence d'humain. Voilà, on en a fini avec cette histoire de Cadmus et toute sa famille. Maintenant, on s'intéressera demain à un autre personnage très, très connu, qui est Persée, qui se trouve être de la famille de Cadmus, en fait. C'est un enfant, un des petits-enfants, ou arrière-petits-enfants d'un cousin de Cadmus. On verra ça demain. Sur ce, je vous fais des bisous en vous disant de bien vous porter. Ciao!